car il n'est jamais là où on l'attend. Sa personnalité paradoxale trouve son reflet dans les moindres détails de sa vie. Contrairement à tous les présidents, il n'a aucun goût pour la chasse. Il refuse de s'en prendre aux animaux. À Colombey, certains cadeaux comme ce mouton embarrassent son épouse qui s'interroge sur l'avenir qu'elle va lui réserver. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mouton, d'autant plus que de temps en temps il se détachait et il allait manger les fleurs de ma belle-mère. Alors ça, elle n'appréciait pas du tout. Et un beau jour, à table, dans la conversation, elle a dit « Eh bien, le mouton, on va le donner comme gage d'une tombola pour les bonnes sœurs de Barthyrome. » Et là, le général a dit « Comment ? Égorger ce mouton que nous avons connu, il n'en est pas question. » De même, il n'est pas question de manger les volailles de la boisserie. Yvonne doit lui certifier au début du repas qu'elle ne lui sert pas les poules de son jardin. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas les consommer? Il dit, parce que quand je me promène, je les regarde, je les vois, et je les connais personnellement. Alors, il ne fallait pas manger des relations personnelles. Car il n'est jamais là où on l'attend. Sa personnalité paradoxale trouve son reflet dans les moindres détails de sa vie. Contrairement à tous les présidents, il n'a aucun goût pour la chasse. Il refuse de s'en prendre aux animaux. À Colombey, certains cadeaux comme ce mouton embarrassent son épouse qui s'interroge sur l'avenir qu'elle va lui réserver. Qu'est-ce qu'on va faire de ce mouton, d'autant plus que de temps en temps il se détachait et il allait manger les fleurs de ma belle-mère. Alors ça, elle n'appréciait pas du tout. Et un beau jour, à table, dans la conversation, elle a dit « Eh bien, le mouton, on va le donner comme gage d'une tombola pour les bonnes sœurs de Barthyrome. » Et là, le général a dit « Comment ? Égorger ce mouton que nous avons connu, il n'en est pas question. » De même, il n'est pas question de manger les volailles de la boisserie. Yvonne doit lui certifier au début du repas qu'elle ne lui sert pas les poules de son jardin. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi est-ce que vous ne voulez pas les consommer? Il dit, parce que quand je me promène, je les regarde, je les vois, et je les connais personnellement. Alors, il ne fallait pas manger des relations personnelles.